Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonjour. Alors, je sais pas du tout si c'est bien réglé. Où je commence? Parce que je me fais chier. Bon, normalement, elle devrait pas tarder. Je vais voir si. Bref, je sais que vous ne me voyez pas du tout ici. J'attends de faire la mise au point. Je peux tout faire tout seul. C'est hyper compliqué de faire la mise au point. Donc. Comme ça permet aux gens de dire bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Karina. Bonjour Philippe. Bonjour Anthony. Ah non, c'est merde, c'est moi. J'arrive, je sais pas si, enfin la mise au point doit être un peu dégueulasse. En plus, j'ai eu encore un problème pour régler mon appareil juste avant de prendre l'antenne, bien entendu. Voilà. Alors, j'ai tout préparé aujourd'hui. Vous allez voir, c'est fantastique. Il y a juste 85 invités dans la liste, dont 80 de bien et les 5 de Philippe. Non, je déconne Philippe. Cœur sur toi, bien entendu. Donc, j'attends juste Marianne qui est avec Alice. Alors, le micro est pas assez loin? Ok, est pas assez près, pardon. Hop, est trop loin. J'arrive, ouais, j'arrive. J'ai les foufounettes. Donc, je vais en profiter pour mettre foufounettes comme il faut. C'est-à-dire qu'on pourra pas me dire, hey, t'as grossi. Non, j'ai pas grossi en fait, j'étais déjà gros avant. Dites-moi si le son est bon. Salut Isa, salut Goethe. Goethe, je sais plus si. Je crois pas que tu m'aies fait de proposition pour le. Pour le thème du fromage, je sais pas. Oh là, oh là. Alors, pendant que j'y suis, n'hésitez pas, hein, je vais attendre que Marianne arrive pour commencer vraiment à faire les différentes rubriques, mais n'hésitez pas à faire des propositions si vous voulez. Ouais, tu me dis hein, si le son est pourri, parce que forcément, si je le tiens comme ça va être un peu chiant pendant toute la soirée. C'est très sympa, ça a une certaine classe, mais c'est pas incroyable. Salut Kev, est-ce que tu veux que je te chante Sunday with the Moo? Il n'y a pas de problème si jamais ça peut te faire rester. Je pense que pour le blind test, il y a une petite dédicace pour toi. Après, tu pourras le regarder en replay si tu te fais chier. Mais il y aura une petite dédicace. Donc j'ai à peu près tout fait cet après-midi, y compris le blind test. Et puis d'autres montages. Ah, attention, on applaudit. Arrivée de la star. Sur la place. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. T'as vu comme t'es fine? Incroyable. Ça me ressemble pas trop. Ouais. Alors, est-ce qu'on bouge le. Est-ce qu'on bouge ça? Hop! Un peu comme chez nous. J'espère que vous avez pris des chips. Alors, je regarde si le rendu est bon. Alors, on va faire un petit jeu aussi ce soir, si vous voulez. C'est compter le nombre de fois où Marianne baille. Et à la fin, il y a un jeu. Un cadeau à gagner, si vous voulez. J'ai quand même fait une sieste aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que t'as fait une sieste. Alors, est-ce qu'on est flou? Est-ce qu'on n'est pas flou? J'en sais rien. Je vais regarder. On s'en fout? Non, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis déjà flou à la base dans la vie. T'as déjà commencé là? Ah oui, j'ai déjà commencé. Les gens sont là. Les gens t'attendaient, hein. J'ai pas mon téléphone. Ah, t'as pas ton téléphone. Tu vas donc avoir du mal. Tiens, je te donne ton téléphone. C'est un cadeau offert par toute l'équipe. Il est cassé. Ah. Alors. Bonjour à tous. Son à fond ici, on entend que dalle. D'accord, bah, il suffit de le dire. Hein. Bah, ils le disent. Ils le disent, donc je vais mettre un petit. Ah, tu peux baisser un peu ton son, s'il te plaît. Vous êtes légèrement entrelacé. Oui, bah ça c'est la caméra par contre. Hein. Ça c'est la caméra qui fait ça et j'ai pas le choix. C'est soit j'ai une qualité de merde avec la webcam, mais elle est full HD, soit c'est le réflexe et ça marche, mais c'est un peu dégueulasse. Après, je peux faire des essais avec d'autres caméras, mais je pourrais essayer. Mais bon, vu que Ah, pas ce soir. non, pas ce soir. Hein. Déjà, la semaine dernière, ça. Bonjour Estelle, bonjour Estelle. Ouais, je suis flou moyen. Hein. Bah pour Mais fou aussi, hein. Je hop, confirme. un peu fou, ouais. Hop. J'espère que, attention, faites gaffe à vos oreilles. Est-ce que ça va aller mieux? J'en sais rien du tout. Est-ce que ça va mieux? Non, pas du tout. Je sais pas. Hop, allô? 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 On va faire un truc à peu près. Kikou, kikou, kikou. Je vais mettre un peu plus fort encore, mais j'ai peur de vous péter les oreilles. Donc ça va mieux? Non, toujours pas. Bon, je peux pousser encore plus alors. J'y vais progressivement parce que si Le je. son est bon. Il est bon le son, il est C'est qui bon, cette il est bon le petite? son. Ah bah c'est une sportive. C'est une sportive, c'est une, bah je ramène tout le monde d'Instagram. Donc, hop,
Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon? Ça... Eh oh! 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 Ça gueule? C'est bon? Regardez. Bonjour. Comment tu t'appelles? Si ça vous a fait les poils, c'est que c'est bon. Regarde, j'ai fait bienvenue. Alors, je vais dégager le mode studio. Bonjour! Bonsoir. Bientôt le déconfinement. Pas sûr. Peut-être. Alors, oui, on est légèrement flou. Ça ira. Comme ça, on a l'impression un peu d'être beau. Oh, regarde, je m'entends dans mon truc. Alors, oui, Céline est sourde. Oui, d'accord. Ok, bon, bah, si c'est bon. Donc, si tout est bon. Mais qu'est-ce que. Bientôt, bof. Ah, oui, d'accord, bah oui, bientôt, bof. Donc on va commencer par... attends, scène de bienvenue. À la télé, ils font ça, hein, donc j'ai pas encore les sons des rires enregistrés. Bienvenue à tous. Bienvenue à la maison. T'as vu comme j'applaudis? Vous savez comme on aime ça. De quoi? Recevoir des gens à la maison. Recevoir des gens à la maison, tout à fait. À partir du moment où vous ramenez des cadeaux et des bouteilles de bière qu'on garde. Parce qu'on les boit pas. Voilà. Alors Lolo est là. Donc si Lolo est là, je vais pouvoir passer au Nazmic. Voilà, comme ça tu l'entends également le générique. Voilà. Le Nazmic que j'ai fait la semaine dernière, je vous ai donné une semaine pour répondre au Nazmic. Ils ont été très nombreux à participer quand même, c'est vrai, ils ont été un. Merci Lolo qui a fait, hein, bah, évidemment, hein, 19 sur 20, plus un 20 sur 20 après avec une petite aide. Donc. Voilà, donc Lolo a cartonné ça, bien entendu, en une journée, je crois. Je sais plus, Lolo, je crois que... Voilà. Il n'y a eu qu'un candidat? Ouais, bah oui, il n'y a eu qu'un seul candidat. Alors oui, c'était le Nazmic, c'est toujours dispo. Et je l'ai mis sur Sporkle également, je vous ferai un lien si vous voulez, pour que vous puissiez jouer, sachant que je ne l'ai pas mis sur le site comme avant. Je pourrais le faire, mais ça me faisait un peu chier, à vrai dire. Donc je l'ai mis sur Sporkle. Je pense que ton jeu de l'invité prend tout le... C'est ça, Philippe m'a dit, de toute façon, il n'y a que ça qui est intéressant. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'était juste pour faire plaisir à Lolo, puis moi ça m'avait fait plaisir aussi. Après, vu le temps que ça prend, c'est clair que j'ai pas pris le temps d'en refaire un autre cette semaine. Donc voilà, je ne sais pas si on n'a pas besoin de le réécouter. De toute façon, Lolo nous a fait un 20 sur 20. Donc... Date du 19. Non, en fait, il a fait un 19 parce que le premier, il m'a donné une mauvaise réponse et après, en l'aiguillant un peu, il a dit ok. Puis il a dit oui, mais en fait, c'est ce que je mettais au début et tout. Donc. Voilà, donc Lolo, je te faisais confiance pour ça. Donc, trop facile pour toi. Et si je fais plus difficile, personne ne va le faire. Déjà que personne ne le fait d'habitude. Donc voilà. Félicitations, Lolo. Donc tu repars avec quoi? Je sais plus. Des vignettes au champ pour coller, pour gagner un. Non, encore? Un Tupperware. Bah, je sais pas. Mais de toute façon, elles sont plus bonnes. Donc voilà. Voilà. Donc bravo Lolo. Tu vas aller faire course, hein, c'est vrai que de toute façon tu peux pas donner tes tickets. Est-ce qu'ils font des trucs pour inciter à aller au magasin? Je suis voilà. Pas sûr. On va passer peut-être à la liste des invités, puisqu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Puis que c'est le seul truc. C'est le seul truc qui nous intéresse, de toute façon, j'ai bien compris. Moi j'adore ce générique. Je pense que ça peut être le tube de l'été. Ouais. C'est toi qui le voulais, hein. Tu voulais... Parce ouais, que avant on l'entendait pas quand vous l'aviez dans les petits génériques. Maintenant on l'a. C'est très bien. Voilà, donc on a ce petit générique. Et moi je l'entends très souvent quand je monte les petites rubriques. Et franchement, bah, ça cartonne quoi. J'ai envie de danser dessus. Ok, mais si. Philou me dit qu'il a jamais dit que c'était la seule rubrique bien. Alors que si, tu l'as dit. Je peux être une petite pute. Je peux le faire. Oh, regardez, c'est moi! Alors, je passe à la télé. La liste des invités, donc je vous rappelle que pour la liste des invités, alors je descends parce que, comme je disais avant que tu arrives, j'en ai 85. Oui, on en a 85. Déjà, la semaine dernière, 50, c'était... Voilà, on en a beaucoup. Donc déjà, je remercie quand même tous les gens qui ont participé. J'ai eu des propositions jusqu'à cet après-midi, 17h. Il y en a beaucoup qui sont revenus. Je vous rappelle que le thème, c'était chez le fromager. Alors... J'ai eu des réclamations. On m'a dit par exemple qu'au salon de l'automobile, pour le thème automobile, on avait. Enfin, quand c'était Zizi Pot, bon, bah un pot, c'est pas vraiment le salon de l'automobile. Alors du coup, on m'a dit que frigo, ça pouvait être du fromage. Alors moi, je comprends pas.
Voilà, ok, bon, alors on a la même réaction, mais c'est pas, grave, Philippe. Je t'aime quand même. Oui, ça c'est moi qui l'ai créé, le générique. Alors, le générique, quand même, je dis, j'ai utilisé l'appli, et je crois que tu avais fait une publication sur Facebook pour dire qu'il y avait l'appli Korg, je crois, qui est dispo sur Android, où on appuie, puis ça fait un synthétiseur avec le, juste avec les doigts, hein, donc digital, puisque c'est le terme. Et donc j'ai appuyé un peu n'importe où. T'as baillé ? Non, là je m'emmerde. Non, je réponds à une vraie question quand même. Alors, c'est pas le salon de l'ameublement, oui. Voilà, bon bah du coup elle s'emmerde, donc du coup elle veut juste avoir les propositions. Voilà. Bah. Mais c'est comme dans la vie, hein, vous inquiétez pas, oui, en fait. Voilà, on est pareil, c'est ça. Oui. Mais je fais pareil avec elle, donc il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Voilà, donc juste pour dire, pour le fromager. J'ai eu des propositions assez claires, c'est-à-dire que je pense que toutes les personnes m'ont proposé Tom Cruise. Je ne l'ai pas pris. J'ai pas pris Tom Cruise parce que c'était trop simple. Tom, je l'ai pris pour certaines propositions, mais bien entendu, il fallait que ce soit un petit peu recherché. J'en ai pris également qui vous plaisaient et qui me plaisaient moins. J'ai essayé de faire un petit peu un mix. Comme j'en ai parlé un petit peu aussi avec Philippe, tout ce qui est collage, juste genre petit Louis Bertignac, je l'ai pas pris. On est d'accord, c'est pas incroyable. Et il y a tellement de bonnes propositions, que je suis passé à autre chose et j'ai sélectionné toutes celles qui vont venir. Et en plus, je crois qu'elles sont un petit peu mélangées par tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ça fait deux fois que je le dis en moins de 30 minutes. Oui, ça parle fromage direct. Oui. Et tu vas voir qu'en plus, il y a exactement ce dont tu m'as parlé. Alors, on va commencer avec Fifi qui propose crottin Tarantino. Elle a rien vu, hein. Elle a rien vu du tout. Non. Donc je vois en live crottin Tarantino. Bon, on commence live, mais, light, pardon, mais c'est pas mal. Hein, moi, j'ai pris quand même. Patrick Bridel par Alan. Bridelis. D'accord. Oui, alors. Je crois que je ne m'y connais pas sans fromage. Alors, Bridel, c'est bon, pas que du fromage, mais. D'accord. On va commencer light. Fromage, je crois. Voilà. Patrice Lafondue. Bon, Lafondue. Ouais. Bon. Je crois que c'est par ordre alphabétique. J'ai un peu pris la méthode frou. On a Époisse Partout par Alan. Mais c'est quoi le nom du fromage ? Bah, l'époisse. Ah oui, alors ça, par contre, il y a un truc. Vous avez été certains. Il y en a certains qui ont pris la liste de tous les fromages et qui m'ont fait la liste. En fait, je pense que vous avez regardé une liste de fromages et vous avez fait « Oh, je vais faire un jeu de mots sur celui-là, un sur celui-là. » Il y a plein de fromages que je ne connais pas, que j'ai dû chercher pour vérifier ce que c'était comme fromage. C'était un petit peu couillon. Il y en a que j'ai mis, d'ailleurs, sans savoir ce que c'était. J'ai demandé, par exemple, à Philippe, j'ai demandé ce que c'était son fromage, je ne connaissais pas. Donc, et je crois que malheureusement, quand on ne connaît pas bien le fromage, ça marche un peu moins bien. De toute façon, moi, j'en ai dans ma tête, j'en ai deux, trois qui m'ont fait faire caca de rire direct. Hein, donc, Isa, tu avais proposé Olive et Tom. Alors là, je suis un peu déçu, parce que du coup, là, le Tom, il aurait pu être... Olive... En plus double. Bah, ça aurait pu être un double. Et donc, un c'est un fromage Olivet. Olivet, oui, j'ai regardé, pareil. C'est bah non, moi non plus, que dalle. Par contre, tu connais Golo Kanté. Ouais. Alors, donc, mais Golo Kanté. Je connais pas le N'Golo. Et c'est quoi le vrai nom du mec? Bah, N'Golo Kanté. Kanté? Ouais. C'est un joueur de foot, il a les deux étoiles, il a gagné la Coupe du Monde. Si, bien sûr. Donc, en fromager et en joueur de foot. Non, qui ne connaît pas bien les fromages? Alors tu vas voir qu'en fait, on connaît des fromages, mais plutôt du Nord. Et encore? Ah si, tu vas voir, ça arrive. Ça, je l'ai eu plusieurs fois, donc je répète la règle. Quand j'en ai plusieurs fois, je prends la première personne qui me l'a dit. Donc là, qui c'est qui m'a dit en premier? C'est Nelson Beaufort qui m'a été donné par Alan. Pareil, il y en a quelques-uns, je ne vais pas tous les dévoiler, mais il y en a quelques-uns qui sont revenus plein de fois, donc j'ai pris à chaque fois le premier qui me l'a dit. Ou alors, des fois, il y a des redites. Hein, donc, voilà. Ah, ça fait une fois. Comptez bien hein, chez vous. Je viens de penser qu'il y en avait 85. C'est ça, exactement. Donc, ça m'a... Bon, je m'en fous, je suis confiné jusqu'au 11 mai, hein, donc pas de problème. Nelson Beaufort, pardon, l'a dit, et on a également Mylène Fourmer. Pas facile à dire. Fourmer. Ça, je connais. Ouais. Mylène Farmer, une chanteuse. Hein. Aussi. J'ai pas compris, Estelle. Ça fait deux fois qu'elle baille? Oui, elle compte. D'accord. Merci, Estelle.
Il y a eu un double également sur Saint-Meuret par Mathieu qui nous a proposé ça. Saint-Meuret. Okay, tu vois, le fromage Saint-Meuret. Saint-Meuret, ça on connaît ça. Voilà, Philippe, tu vas voir que je sais que tu as proposé un truc à peu près similaire. Et il est plus tard. Le fameux Munster Tea. Voilà, un truc qu'on avait sorti à l'époque avec Philippe quand on s'amusait à faire ça au boulot. Et voilà, Munster Tea qui était sorti par Alan cette fois. Donc voilà, ça marche bien. En plus, j'imaginais bien sa musculature en fromage. Donc, Stel, voilà ton Mull Gibson. Bon, c'est classique. Hein. Mull Gibson qui a des photos sur Google absolument dégueulasses. Hein, parce que là, il fait un peu flipper, mais c'est peut-être la meilleure que j'ai trouvée. On a Mathieu Chédard par Alan. Non, tu... Non. Ouais, ok. Pas grave. Là, Stelle, si tu veux intervenir, tu vas me dire parce que Marwal Loud ou Loud, je sais pas, moi je connais pas cette dame. Elle m'a dit oui, mais ça passe sur Skyrock. Donc, ça c'est forcément pour ça que je ne connais pas. Ouais. Je sais pas cette dame qui est-elle. Mais Marwal Loud ou Loud, là, bon. C'est quoi son vrai nom du coup? Marwa, je crois. Voilà. Donc, voilà. On pourra faire avec nos voisins aussi la prochaine fois. Le président Emmanuel Macron par Alan. Ouais, ça c'est ridicule. Tout ce qui est ridicule, nous on aime bien. Ça marche à tous les coups. Marie a fait un joli. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc merdique. D'accord. Qui passe sur Sky. Oui, un truc merdique qui passe sur Sky, mais moi-même sur Sky, je sais pas en fait. J'ai pas d'idée. On a l'Inset Boulette Davenport. Alors elle est un peu complexe celle-là, mais Boulette Daven, oui, c'est pas mal. Hein, écoute, c'est original. On voit surtout qu'on est quand même des années 80. Ouais. Hein. Souvenir. De la même manière, Fred a proposé Laura Fessel. Hein, c'est mignon. Nous avons Fourme d'Amber Wilson par Fifi. Oui, ouais. C'est un peu le truc, c'est dommage. Désolé. Et par exemple, celui-là, tu vois, pour quelqu'un du Nord, Kenny Welch, ça marche. Hein, ça me fait rire, ça. Le Welsh. Ouais, ça passe quand même. Chez le fromager, ça passe. C'est... Ouais, ça passe, c'est vrai. Je sais pas, c'est vrai. C'est pas le nom du fromage, quoi. Mais de toute façon, vous allez pouvoir voter. C'est un petit peu disqualifié. Là, je pense que bientôt, vous allez avoir le lien pour pouvoir voter. Nous avons Chaussé Garcia au moine. Ouais, Chaussé Garcia, ça marche. Chaussé Garcia, c'est bon, c'est... J'aime bien. Voilà. J'allais dire le président, pas du tout, l'homme politique américain John Kerry. Un texte et Kerry, ça fait marrer. Personne n'a fait Ficello. Personne n'a fait de blague à partir de Ficello. Nous avons quoi? Nous avons, bah alors ça, je l'ai eu plein de fois, bien entendu, Joël Reblochon. Alors je sais pas si Marie est encore là, mais pas d'accord. Disqualification d'Alan demandée. Pour le Welsh? Ouais, si c'est le Welsh, tant pis, hein. Bon, de toute façon, après, vous allez voter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous ne votez pas pour Kenny Welch. Donc oui, je ne sais pas si Marie est encore là, mais voilà, bah, du coup, on aurait pu aussi mettre le groupe Les Reblochons, mais pas assez, j'avais pas d'image pour le mettre. Mais du coup, ça ne marche pas. Nous avons Jet Li Varou. Non. Non, si. Ah si, un peu. Pas du tout. Deux et demi. Ouais. Je vais demander à Stel de me dire si c'est comptabilisé comme un embâillement. Non, écoute. Alors, du coup, Jet Li Varou, bon, c'est mignon. Celui-là, je l'aime beaucoup, le suivant. Mondor Maison. Ouais, c'était pour Elodie, qui est, je sais pas si elle est encore là, mais peut-être partie faire caca ou un truc comme ça. Bon, celui-là, je l'ai aussi vu plein de fois. Honneur au premier qui l'a donné, Jean Roquefort. Oui. Un classique qui marche bien. Jason Fourme par Lolo. Oui, c'est... Ah, j'arrive, je vous remets. Hop. Si ça marche pas, je vais être obligé de... Ah, si ça va. Ça va partir, hein, vous embêtez pas. Hop. Ouais, c'est, je crois que toutes les 30 minutes, ça coupe, donc tant pis. Hein. J'ai pas trouvé tous les réglages pour le faire. Quand même sur un appareil bas de gamme. Hein. Alors, on continue avec Gruyère Paltrow. Bon, je l'ai mis pour Fred. Bon, j'aime bien ça. Ah bon, d'accord. Bon, bah, ça te fait plaisir. Garcimorbier.
En tout cas, c'est sympa de garder les mêmes personnages, comme ça je peux garder les mêmes photos. Moi, ça me fait gagner du temps, hein, plutôt qu'aller chercher sur Google, clairement. Donc, Garcie Morbier, on a également Francis Munster, pour Lolo. Voilà. Je vais avancer. Hein, Mais bon, on a déjà eu le 106 la semaine dernière. Oui, mais, bah oui, mais Garcie Morbier, on l'a également toutes les semaines. C'est un peu running gag. Hein. Il n'y a pas de Leonardo. Ah oui, je dois dire. Il n'y a pas de Leonardo ce soir. On m'a foutu des Leonardo di Caprice des Dieux. J'en ai eu plein. Ça tirait. Il fallait mettre un Leonardo DiCaprio. C'était pas terrible. Ça passait pas. Donc en plus, il y en a certains qui m'ont mis Leonardo DiCaprio, certains qui ont mis Leonardo DiCaprio des dieux. Donc je préférais. Je coupe tout. Pas de Leonardo DiCaprio ce soir, je suis désolé. Florence Rocforesti. Ouais, c'est bien. Peu pas mal. Ensuite. Ah, pardon. Désolé, je galère à cliquer. Fatal Bazooka. Je connais pas. C'est Fatal Bazooka ? Oui, mais le fromage. La feta. C'est une feta. Feta, c'est... Oui, c'est... Non. Ça vaut pas celui que Lolo nous a présenté avec la feta, mais qu'on peut pas dire encore. Celui-là, encore un que j'ai eu plein de fois, par Paul. La seule proposition de Paul de ce soir, qui m'a dit dès samedi soir, Émile Gorgonzola. Bon, c'est... Ah oui, c'est un peu... nous avons Baby Bella Fitzgerald par Fifi. Mmh. Fifi qui. Oui, oui, Lolo, je sais, elle arrive. Hein. Elle arrive, elle est là. Elle est là, ta top blague. Et Lolo, elle arrive. Elle est à la fin, je crois. Je sais plus, mais elle arrive. Moi, tout ce qui était Baby Bella, je l'ai gardé parce que ça me faisait marrer. Edouard Berg. Pas mal. Oui, alors toi, tu préfères la photo, peut-être, c'est ça ? Ok. Mais sinon, il y a Edouard Berg, ouais. Donc, voilà, nous avons... Ah, pardon, Caprice des dieux donnés. Bon, ouais. C'est correct, hein. C'est... Ouais, pas, c'est passable. Karina, qui m'avait dit que c'était entre Didier Gustin et Didier Bourdon. Alors, au début, je voulais faire un mix, mais j'avais pas le temps. Donc, elle a fait Didier Boursin. D'accord. Bon, c'est... Didier, pour la petite histoire, Didier Bourdon qui a sur Google Images, quand on tape Didier Bourdon, bon, il y a Le Paris, et lui maintenant qui ressemble à lui dans Le Paris. C'est assez... Ouais. Les Demoiselles de Roquefort. Oui. Hein, bah oui, c'est classique, mais c'est drôle. Moi, ça me... Oui. Ouais. Courtney Rove, alors là, Isa, moi, je ne sais pas ce que c'est que le Rove ou la Rove, mais je ne sais pas. Donc je l'ai mis, mais ça marchait bien, mais... Malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, on a le Morbier du Club Dorothée. Oui, ça, c'est un savon, moi. Oui. Morbier du Club Dorothée. L'inspecteur Colombier. Pareil, je ne savais pas ce que c'était que le Colombier. Moi, Philippe m'a dit que c'était un fromage et j'ai cherché. Bon, ben, je ne savais pas, désolé. C'est pas une sorte de camembert, hein. Voilà. Je ne sais pas. Ouais, mais faire confiance à Philippe. Alan qui nous a fait... Pardon, Alan qui nous a fait un jeu de mots un peu complexe, puisqu'il nous a dit un Georges Clémental des Georges Clémenceau. Oui, alors je n'ai pas pu tout mettre sur la photo, Alan, je suis désolé, mais oui, un Georges Clémental des Georges Clémenceau, ça marche pas mal. C'est... Christophe A. Dupont-l'Évêque, alors j'ai eu du A. Dupont-l'Évêque. Il y a eu un peu de tout. J'ai même eu un Thomas Dupont-l'Évêque. Mais j'avais pas de photo pour le mettre. Mais on m'a proposé Thomas Dupont-l'Évêque. Donc voilà, donc Christophe A. Dupont-l'Évêque. Bon, un petit peu. Et je savais pas qu'il était avec Selena de Nice People. Petite info. Quand même. Chris Frometon. Mais Chris Frometon. Ah oh, oui, c'est Alan qui me l'a posé. Oui. C'est. Voilà, on a Cheesy Gonzalez. Parisa, ouais, ça. Moi, tout ce qui est cheesy, ça me fait penser à Cheesy Bread, donc je suis content. Je suis content. Cheese Witherspoon. Oh, t'as vu comment j'ai fait le Wood? Oh, waouh. Cheese Witherspoon. Que j'ai jamais autant vu que depuis que je fais les jeux de mots. Cheddar Devil. Par Fifi. Ça y est, bien celui-là. J'aime bien. C'est pas mal. Cheddar... Ouais. Surtout ce qui est Cheddar Devil. C'est plutôt bien. Ok. Ça a dû te voter, hein. 85. Ouais, mais attends. Chèvre mamie.
Si, bien. Après, alors vous m'avez fait une collection. Je pense que si vous avez, si vous aviez fait un regroupement de vannes, il y avait de quoi faire un, comme au Scrabble, un x3, x4, x5. Puisque j'ai 3 Che Guevara. Alors, j'ai Chèvre Evara par Philippe. J'ai Cheddar Guevara par Isa. Et j'ai Che Guevara Clette. Moi, forcément. Voilà. Dès que c'est ridicule, c'est marrant. C'est, je ne peux pas autrement. Elodie, si tu veux, tu peux proposer. Après, il y en a encore qui arrivent. Hein, donc, il y a peut-être encore de la. Hop. On a Charlton Heston. Qui est, tu vois, là, le tome, il est bien placé. Charlton Heston, quand même, de la qualité. Voilà. Alors, il y en a eu énormément avec Cantal pour Chantal, Cantal Lobby. Je pense que j'ai également alors j'ai Chantal Gouda, Chantal Goya, et j'ai également Cantal Goya. J'ai fait une sorte de mix pareil, on aurait pu faire un Cantal Gouda, c'est un peu compliqué. Et là, alors Lolo a carrément pété. Catherine Feta-Jones. Ah, c'est quand même pas mal. Il y en a d'autres qui arrivent, parce que moi j'en ai 2-3 dans ma tête. Catherine Feta-Jones, il fait partie de mes préférés. J'ai pas le droit de trop dire, mais. Chantal Goda, pardon, l'a déjà fait. Ah non. Ah non, j'ai cru. Nous avons un. Ah, pardon, Camille Crottin. Par Karina. Qui, non, du coup, elle n'était pas pris. Karina, tu as de la chance. Alors, je pense que par contre, Philippe a dû disparaître, puisque Philippe, d'habitude, il attend un petit moment pour ne plus avoir de charge. Alors, nous avons Brian Adams. Brian Adams, c'est assez. Ouais, c'est bien, hein, c'est gentillet, quoi. Bruce Springsteen. Moi, je ne connais pas Bruce non plus. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bobby Williams. J'ai eu du mal à comprendre Philippe. Hein. C'est bien, je t'ai demandé quand même pour avoir plus d'informations, mais. T'aimes bien lui ou Non, ouais, je okay. Bouddha au cumin. J'ai eu d'autres, hein, des Bouddhas pour Bouddha et tout. Je trouvais que déjà, le fait de mettre au cumin, déjà, ça rendait le truc un truc de merde et j'aime beaucoup ça, moi. Hein, c'est pas mal. Et en plus, c'était le premier à me le proposer, donc j'ai gardé. Borata. Et Borata, comme. Voilà, mon chiffre. Ça, j'ai bien aimé aussi. Bluck M. Ça, j'ai un peu de la merde et j'aime bien. Celui-là, c'est donc Fifi qui m'a proposé Bill Saint-Murray. De toute façon, avec Philippe, Bill Murray, tu mets un mot de passe, c'est quoi, Bill Murray? Bon. 44 Pro. Ah, super, Philippe. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à charger ton téléphone. Bertrand Cantal. Ah, on a eu chez Mamie, donc on met Bertrand Cantal, hein, c'est un peu une thématique. Bleu aux noix Poulvord. <C'est>... bon, ça l'a fait rire. C'est Gouda au cumin, Bleu aux noix, c'est pas mal. Ouais, ouais. Baby Bell Gilberto, donc tu m'as demandé qui c'était, une chanteuse brésilienne, hein, si je me trompe pas, Isa. Baby Bell Gilberto, bon, du coup, ça marche bien. Camembert Heard. Ah, Camembert Heard. Camembert Heard. Donc, très difficile de trouver une photo d'elle sans Johnny Depp. Hein. Ils ont pour eux, oui, mais sur Google. Elle n'a rien fait d'autre, quoi. C'est un peu ça le problème. Alex Gouda. On m'a dit c'était facile, mais oui, Alex Gouda, c'est facile. Al Mascarpone. C'est pas mal. J'aime bien. Ouais. Lolo qui a proposé Salakis Morissette. C'est pas mal. Hein? Alain Chabichou, par Alan. Ça lui va trop bien. Bah oui, Alain Chabichou, ça marche bien. Regarde. La photo, c'est regarde. Nickel. Quoi. Alain Chabichou. Edam Levine. Bon, je suis désolé, j'ai mis une photo où il est habillé. Mais ne serait-ce que pour Estelle, quoi. Elle aurait peut-être pu. Zach de la Rocamadour. Voilà. Zachary Quinto, moi je ne savais pas que c'était, pardon, Zachary Quinto, je ne savais pas qui c'était, je dois dire. Donc, si, moi je sais. Bah voilà, donc je l'ai mis parce que je me suis dit que c'est pas parce que j'étais un culte que je ne devais pas le mettre.
Zachary Quinto. Puis de toute façon, à partir du moment où il y a Kiri, ça marche. Jus qui nous a fait une bonne combinaison avec hop, Tom de Provence. Pas mal quand même. Ah non. Tu attends, j'ai moi du mal à comprendre. De Provence. D'atomes de Provence. Ouais. C'est un fromage. Bah je présume parce que sinon c'est pas. Il y a de l'atome de partout en fait. Ouais c'est ça. Sauf du Nord. C'est ça. Gratineau Rossi. Mais ouais de toute façon on sait. Alors, on sait où il faut taper hein. On sait. Emmental, un peu facile mais bon c'est. Voilà. Chez Darmour. Hein mm-hmm. Pareil, désolé, il est habillé. C'est quoi son schéma en vrai ouais. Schéma, et non pas Chimay. Hein ça, serait pas... ça serait moins bien pour vous. Marwal Sharapova. Nous avons. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Isa nous a proposé Sraclet Johansson. Hein si, c'est pas. Alors je suis plus après, on en a reproposé d'autres comme ça, mais. Salersou. Donc il y a de la tombe de Cambrai. La tome de Cambrai. Ah je bon. Se connais pas assez. Je sais pas pourquoi qui t'a dit ça. Ah, il y a la tome de Cambrai. Bah oui, bah, je suis désolé. Mon fromage, c'est du gruyère. Non, oh là là, dis pas ça. Et encore même pas si. Dis pas ça, c'est pas bien. Ouais, donc personne n'a proposé Philippe Salers, par contre. Rambeaufort. Ce côté doux et fort à la fois. C'est mignon. Avec ouais. La photo, ça fait ouais. Je m'appelle. Oui, je n'ai pas pu retenir. Je m'appelle Rambo 4. Ah, mais Rambo 4. Ah ouais. Ah. Raclette Green. Vous savez que quand j'ai cherché Rachel Green, je me suis dit, putain, mais c'est qui. Ben, forcément. Beaucoup mettre en avant les produits. Les messages de... que toi. Ah, mais non, c'est parce que moi, j'ai les messages que des... En fait, ouais, j'ai les messages que des filles. C'est ça. C'est pas mal, du coup. Toi, t'as pas les mêmes messages. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas, c'est peut-être parce que moi je lance le message. Je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est ça ? Ouais, bah écoute. Non, mais je les aime, mais juste ça. Ok. Oui, donc normalement vous devez avoir un lien sur la page du NAS Journal, sur la page Facebook du NAS Journal pour pouvoir voter. Je rappelle, il y a la liste des 85 propositions. Et vous pouvez voter pour 3 propositions et on verra à la fin celui qui a gagné. Je rappelle que la semaine dernière, c'est Marie qui a gagné avec, je sais même plus ce que c'était comme thème, le salon d'automobile. Sancy Suster. C'était Sancy Suster, oui, tout à fait. Sancy Suster qui avait gagné. Et donc, Marie qui va bientôt recevoir une clé USB cassée. Ah. Tu la gardes même pas. Bah, pour l'instant, je n'ai pas envoyé. Comme preuve du confinement et de mes bêtises. Ah, mais c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau. Je trouve que Sancy Suster, ça vaut une clé USB cassée. Je voulais faire un petit lot, mais j'ai oublié de le faire cet après-midi. À peu pris par le temps, donc malheureusement j'ai pas fait de l'eau directement, mais quoi ? Non, rien. Ok, donc la semaine prochaine, j'ai essayé de trouver un thème qui était ridicule. Moi j'aime quand c'est ridicule, vous l'avez compris depuis le début, donc j'ai pas envie de donner un thème où il y a la possibilité de mettre des trucs trop sérieux. Donc je vais laisser. C'est sûr, les gens ils mettent des trucs trop sérieux, bien sûr. Non, mais quand. Clairement, si on va me chercher par exemple des fromages un petit peu inconnus pour faire un jeu de mots drôle, ça marche, mais le fromage n'est pas connu, du coup, ça a du mal à passer, tu vois. Alors que si on prend un thème où tout est ridicule dès le début, bah, on est tranquille. Hein ? Donc, vous savez que c'est le NAS Show 6, donc il y a un petit jeu de mots, Show 6, hein, Show 6, comme, saucisse. Comme saucisse. Ouais. Donc, j'ai une annonce qui a été faite par. Putain, merde, je sais pas où j'ai foutu. Attends, ça va remonter. Faut que j'aille la rechercher. J'arrive. Ah, parce que ça a sauté tout à l'heure et j'ai pas fini. Tu peux meubler s'il te plaît en attendant ? Non. Ah si, vas-y, meuble un peu là. Bon, non. Je vais vous balancer directement parce que je l'avais préparé mais ça a un peu merdé. C'est celui-là. J'espère que c'est pas une connerie parce que si c'est un cornichon, non ça va. C'est pas un cornichon. Hop, je la mets et je pense que ça va arriver directement sur le truc. Ouais, c'est bon, c'est ça. Yeah, salut! Comme vous le savez, c'est le NAS Show 6. NAS Show 6! Show 6! Alors, ce que je vous propose, c'est que pour la semaine prochaine, la liste des invités, ce sera tout simplement sur le thème de la frifi. Alors, vous mettez des trucs avec de la sauce.
des burgers dégueulasses, des saucisses, des menus. Je veux avoir la diarrhée la semaine prochaine, la diarrhée de rire. La diarrhée de rire. Magnifique. Alors, je vous embrasse et surtout mettez-moi du ketchup partout. Des bisous. Voilà. J'étais déjà con avant, hein, mais... Oh putain, t'es encore pire avec ouais, c'est vrai, voilà. Donc, oh, le thème, pour ceux qui n'ont pas compris, le thème, ce sera... je ne l'ai pas mis, mais malheureusement, ouais, ça sera la friterie. Donc, la friterie, tout ce qui est sauce, tout ce qui est bouffe dégueulasse, tout ce qui peut se manger... Tout ce qui te manque, quoi. Non, 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 parce qu'on peut... Alors, est-ce qu'on accepterait le Whopper? C'est pas une friterie, tu vois. Non, 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 non. Par contre... En friterie, je peux aller, on peut aller un peu plus loin hein, pour. On peut élargir un peu le thème, mais bon, il y a beaucoup de sauces qui ont des noms de merde. Il y a beaucoup de repas qui ont des noms de merde. Voilà. Donc là, il y a moyen de se faire plaisir. Et ça permettra un petit peu aussi de filtrer pour que j'en ai pas, comme j'en ai eu, tu vois, le dimanche matin où je me dis, bon, j'ai bien galéré à en faire 85 la semaine dernière, j'espère que ça ira. Et puis Alan t'envoie un message avec 120 propositions. Bon, là, donc il y a moyen d'avoir Saint-Polinka, d'accord, ok. Donc, pour toujours, hein, je rappelle, ne m'envoyez pas les propositions directement, ni dans le chat maintenant, ni dans les commentaires. On fait ça en privé, comme ça, ça permet de garder le suspense pour samedi prochain. Voilà, donc je rappelle, sur la page du Nas Journal, sur Facebook, il y a un lien pour accéder à un document Google, un sondage hein, avec les 85 propositions. Vous avez la possibilité d'en voter pour 3 maximum. Vous pouvez voter pour un seul si vous voulez. Non, j'ai cru que j'allais bailler. Et vous mettez juste votre nom, je m'en fous, en fait, c'est juste pour être sûr de ne pas avoir plein de trucs qui viennent de partout. Et à la fin de l'émission, on fait les comptes pour savoir qui a remporté, qu'est-ce qu'on va faire gagner. Un opercule de yaourt. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Ouais. Bon, on verra un truc comme ça. Ok. Frita Mitsuko. Mais oui, mais... Philippe, putain, pas tout de suite. Putain. Je l'ai pas vu, moi. Bah non, c'est parce qu'il me l'a envoyé en privé. Calme-toi. Je sais... Ah, mais bon... Ok, calme-toi. Tu mets tout de côté, parce que là, sinon, je vais en avoir partout. Retiens-toi. Philippe m'envoie des messages. Calme. Il va être le premier, il sait que tu prends les premiers. C'est vrai, mais tu... Ouais, trucs, non, c'est vrai, il a raison. Bah, t'as tout pour tu gagner. Tu peux envoyer et je dis rien. On va passer au top 5 pour passer à autre chose. Ah, il n'y a plus de musique. Je vais le mettre là, mon téléphone, parce que sinon, ça ne va pas. D'accord. Mais non, pas, non, le Whopper, ça ne marche pas, j'ai dit. Moi, j'ai pas ces messages. Non, c'est normal, c'est que des... Kenny Welch, putain, mais quel connard. Je l'ai maintenant, ça. Ok, allez. Ouais, j'ai même pas mis de... Voilà. Top 5 des films avec Alain Chabat à regarder un dimanche après-midi. Ouais, j'ai oublié de cacher le truc, tant pis. Et j'ai pas fait de petit visuel. Donc là, on est en freestyle total. Petit film avec Alain Chabat pour à regarder. La Cité de la Peur, oui, bien sûr, ça marche, hein, la Cité de la Peur. Bah oui, c'est efficace. En plus, un dimanche après-midi, ça, la Cité de la Peur, ça peut fonctionner. Est-ce que j'ai des propositions, peut-être, pour regarder un film? Déjà, oui. Ouais, alors moi je... C'est God qui est... Ah bah oui, la Cité de la Peur, prête-moi ta main, ça marche, Didier, Astérix Obélix. Moi, j'étais sur... Bah, désolé, hein, Les Gamins, moi, j'aime bien. Mais c'est parce que j'aime bien les films français de merde. Oh, mais oui. Ça marche bien. Oui. Ça marche bien. Oui, donc, Cléopâtre, on est bien entendu. Ouais. Sur du lourd. Pas vu énormément, mais bon, après, on peut. Je sais pas trop. T'es... Non, pas de. Moi ? Ouais. Bah, j'attends les propositions. Ah bon, d'accord, toi, t'es sûr. Ok. Moi, Le cousin. Ouais. Non, je ne sais pas. Apparemment. Je dis Peuplé. Ah, c'est vrai qu'il était, c'est vrai qu'il est dedans. C'est vrai qu'il est dedans, exactement. Je viens de postillonner, je pense que les gestes barrières sont foutus. Gazon maudit, oui, bien sûr. Bah oui, Gazon maudit, bien entendu. Pas si. Non, le cousin, j'avais bien aimé à l'époque. C'était quand j'étais jeune. Je connais pas. Bah ouais. Ça a déjà quand même.
Oh non, je viens de calculer que ça avait quand même 25 ans. Ah ouais, c'est pas hyper récent. Hein. Pas, bon, apparemment, je sais pas, les gens sont partis pisser, apparemment. Pas de. C'est dommage parce que juste après, j'ai une petite rubrique cuisine. Si vous aimez la cuisine, si vous ne savez pas quoi faire pendant le confinement, si vous voulez, pardon, faire plaisir à vos voisins, à votre entourage. Oh, le pitch, quoi! Quoi? La bande-annonce! Ah non, parce que j'ai cru que tu disais les pitchs. Non, non, non. Non, franchement, il y a de quoi faire. C'est une recette. En plus, je sais pas. Non, j'arrive pas à savoir les gens qui sont là, mais. Alan, il a pas de vie ou quoi? Alors, si, Alan a une vie, puisqu'il brasse des bières. D'ailleurs, Alan, j'attends toujours ta vidéo qui nous explique comment tu brasses des bières, mais. Donc, je. Oui, pardon, la vidéo de la cuisine vous sera présentée par la moitié du duo Joe et Mich. Je sais pas si tu connais Joe et Mich. C'était des présentateurs connus. Non, ils ont fait pas mal d'émissions. C'est eux qui ont inventé le concombre non jusqu'au bout. C'était une recette. Bah, en fait, tu prenais le concombre, il fallait le Bon, couper non on jusqu'au bout. termine d'abord le top Voilà, 5 mais avant non, de mais parler de la j'attendais suite. des propositions. Apparemment, personne ne propose quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la cuisine. D'accord. Puisque les gens font caca apparemment. Et normalement quand on fait caca. Ah oui, pardon, c'est en cours. J'ai peur que mes prises de vue soient pourries. D'accord, pas de problème. Bah, si tu pouvais faire ça avant le 11 mai, par contre, ça serait top biloute. Donc on va passer à la cuisine du coup. C'est parti. Alors, je suis désolé pour la cuisine, il y a eu un petit problème de vidéo. Y a un La qualité est pas top. Mais c'est le confinement, hein. Chez Cyril Lignac, c'est pas top non plus, hein. Donc on fait comme on peut. Mais les gens qui sont flous. Salut à tous, c'est Joe pour les recettes de Joe. Aujourd'hui, pendant le confinement, je vous propose de faire une recette sympa pour vos amis, vos copains, vos enfants ou vos compagnons ou vos amis de passage ou vos voisins. Il s'agit de la recette des crêpes, c'est très facile et vous pouvez en faire tout le monde. Tout le monde, vous pouvez en faire. J'espère que vous allez aimer. Voici tout de suite les ingrédients qu'il vous faut pour faire cette recette des crêpes. Alors pour ce qui est des ingrédients, ce n'est pas très compliqué. Il vous faudra d'abord 5 œufs, On en a qu'un, bon, Joe. un seul parce qu'on n'en a qu'un, d'accord. De la farine, 500 grammes cette fois. On est un peu On peut un light. peu plus encore, s'il te plaît. Ouais, je Non, peux un un tout tout petit petit peu. peu. Ouais. Oh. Voilà, Ouais, ok. s'il te plaît, pas Et plus. puis ben, Désolé. 1 litre de lait également, Là, j'ai pas un litre. Hein. puisqu'on a que 50 grammes de. 1 litre J'ai de pas un lait, litre. une bouteille Non. entière. Non, elle n'est pas Non, entière. bah, non, pas Bon, entière. alors ça va être compliqué du coup. Je sais pas si je vais pouvoir faire la recette, les gars. Ah. Et vous avez rien trouvé d'autre au Il drive? n'y avait vraiment plus rien. Non? Non. Alors, comme vous avez pu le constater, malheureusement, la recette n'a pas pu se dérouler faute d'ingrédients. C'est aussi ça les aléas du confinement, quand on est confiné. Vos amis de passage ne pourront pas se délecter de fabuleuses crêpes telles que j'allais vous proposer de les fabriquer, de les faire. Malheureusement. Je vous propose là de nous retrouver la semaine prochaine pour la recette de l'eau tiède. À bientôt. Ah, tu te moques. C'est pas très sympa, Joe. On est désolé. Malheureusement, on a eu des petits problèmes techniques. On n'a pas pu aller au fond de cette recette. Bon, je suis désolé pour vous. Peut-être vous pourrez trouver la recette des crêpes quelque part, mais c'est vrai que c'est difficile en ce moment de trouver des œufs, de la farine et un peu de lait. Donc, bah, peut-être l'eau tiède sera une meilleure recette pour la semaine prochaine. Ouais. On va passer à une rubrique un peu plus habituelle. J'espère que tu as préparé, puisque il s'agit du disque de mariage. Alors, le disque de Marianne, je te fais pas de surprise parce que j'ai encore une fois oublié de le retirer. Est-ce que tu peux nous parler de ce. Mais j'ai encore oublié. Regarde quand même s'il n'est pas à côté Par hasard. dans la. Oh! Le hasard comme Oh! par hasard! Nous avons. Bravo! Bravo! Bravo Nagui! Ah bah bravo. Voilà, alors, est-ce que tu peux nous parler de C'est ce super. disque qui s'appelle. Original. Oui. Quel est ce disque, Marianne, Alors s'il te c'est Led plaît? Zeppelin.
C'est le combien celui-là? C'est le Yves. D'accord. Bah écoute. Ah, c'est voilà. Pas ouf comme rubrique. Hein. Bah est-ce que ça l'a déjà été? Moi j'ai bien aimé la rubrique. Non, c'était pas toi. Donc ouais, non. Ça ne peut pas. T'es con. De toute façon, ça, on est d'accord que j'ai jamais le droit de le mettre en fait à la maison. Ah non, on n'a pas le droit de le mettre, non. Donc... Non, non. Ça c'est sûr que ça ne. Non. Et acheter quand même 32 euros. Quand même un peu la peau du cul. C'est marqué devant. On a acheté 32 euros. Ah, c'est toi qui l'as acheté 32 euros. Chez Beside Records, bah, rue d'Amiens à Lille. Fermé en ce moment. Voilà. Oui. On sait pas ce qu'il y a dessus du coup. Ouais. Bah oui, parce que je sais qu'il n'y a pas les titres dessus. C'est piégeux quand même. Bah oui, c'est con, il n'y a pas les titres dessus. Ouais. Donc, du coup, on sait pas ce qu'il y a dessus. Quand on prépare pas ses rubriques. Oh, mais j'ai fait des masques. Bon, merde, toi. Il y a un mec quand même, il a voulu faire de la cuisine, il n'a pas eu ses œufs. Toi, t'as ton disque et tu fais pas ta rubrique. Franchement, ouais, je sais pas. Franchement, moi, je trouve que. Pas bien. Alors attends, je vais quand même regarder un petit peu où ça en est des commentaires. Shabba, la cité de la peur. Didier, Joe. Oui, Joe. C'est Joe. Joe Sourcil. C'est Joe. Joe de Joe et Mich. Tout à fait. Comme ça, par-dessus le. Ouais. Et après, je mettrai. Puis je ferai sexe, comme ça pour faire un peu. Donc, à qui la tête? À qui la tête, oui. Alors, et j'en ai fait 3 cette semaine. 3 à qui la tête. Donc, je vous rappelle, à qui la tête, c'est une tête formée de 3 personnes. Étant donné le lag et que tout le monde n'a pas les mêmes. Enfin, ne voit pas en même temps sur Facebook. On ne va pas forcément faire un concours, mais vous nous dites directement qui vous voyez, et pas forcément les 3 d'un coup, hein, vous pouvez balancer les réponses une à une. On commence par le premier, qui est celui-là. Ouh, elle est mignonne. Ça, c'est une tête à représenter la France à l'Eurovision, quand même. Hein. Ouais, c'est assez mignon. J'ai retiré le son derrière, j'avais mis... Avant, il y avait encore le générique et tout. Est-ce que quelqu'un a une proposition pour cette personne? Non plus que, oh là là, 8 personnes, les gens se barrent. Je pense que les gens avaient prévu d'être là jusqu'à 22h et c'est fini quoi. Ou alors peut-être qu'ils rechargent la page pour pouvoir avoir plus d'informations plus rapidement. Elise Moon, pas du tout. Alors peut-être Elise Moon au total. Ouais, mais non, c'est il y a Justin Bieber. En effet, il y a Justin Bieber par Alan. Jennifer. Ouais, il y a Jennifer, j'avais pas vu, pardon. Jennifer. J'avais pas reconnu, moi. On a bien Jennifer et Justin Bieber, et donc voilà. Au milieu, c'est. Et au milieu, c'est un sportif, je vous le dis, parce que c'est un petit peu difficile. JPP? Si tu veux tout de suite spoiler, tu peux le dire. C'est ça? Non, c'est pas ça, regarde, il y a le nom dans le. J'ai mis le mais nom j'ai ici. Mais j'ai pas mes lunettes. Bon, voilà. Justin Bieber. Ok, d'accord. Arthur. Non, c'est pas Arthur. Ah, je reviens, je suis toujours là. En train de cramer ma... Hop, j'arrive. Bonjour! Ah non, ça revient. Ah, ça arrive. Activer l'autofocus avec... Ouais! Salut! Alors, qui donc? Ici aussi, la connexion saute. Eh ben, il suffit de sauter en même temps. Quel sport, on me demande. Quel sport? Un sport individuel. Donc c'est pas un footballeur, pas un basketteur, pas un basketballeur non plus. Un tennisman? Pas un rugbyman, pas un. Ça peut être un kayakiste, mais un kayakiste solo. Et un tennisman? Ça peut être un tennisman, ça peut marcher. C'est un tennisman? Ça peut être un golfeur aussi. C'est un tennisman? Mais ça peut être un golfeur aussi. Peut-être qu'il fait du golf aussi. Non, je crois que c'est un tennisman, cherchez par oui, là. Oui, c'est Federer, tout à fait. Bravo Lolo. Donc, je crois qu'il y a Alan qui avait proposé Justin Bieber. Je sais que Philippe l'a proposé aussi. Ça, Justin Bieber en haut, Roger Federer en bas plus le bas du nez. Au milieu plus le bas du nez et en bas Jennifer. J'aurais pu mettre un peu plus en bas, mais bon, tant pis. Hein. Le nez prenait trop de place, quoi.
Oui, c'est ça, le nez débordait. Et donc, j'ai dû un petit peu rafistoler. Alors, celui-là est pas mal aussi. On dirait que, tu sais, c'est un peu comme tu sais, dans les. La femme à la tête coupée. Ah, Les loups. bien entendu, tu n'as pas le droit de me donner la réponse, En hein. haut, je crois que je l'ai. Alors, nous avons. Oui, du jardin, Jean du Voilà, jardin c'est pour ça. Goethe. Jean du jardin. C'est que du français, hein. Que du français ici. Jean du jardin, oui, pour Isa aussi, oui, tout à fait. Vrognard, non, mais Brognard et Miou-Miou, tout à fait pour Philippe. Ouais, Miou-Miou, t'es fait au ciseau et scanné, quoi. Alors, est-ce qu'on a des propositions pour cette tête-tête? Attends de voir. Normalement, la tête-tête vient. Moi, elle vient d'arriver sur mon téléphone. Donc, on va voir si, s'il y a un petit temps de décalage. Merci Karina. Non, Non, il n'y a c'est pas. pas merci Karina, il n'est pas là. Montfort. Non, il n'y a pas Montfort. Ce n'est pas Nelson Beaufort. Alors, est-ce qu'on a Mac Lesguy pour Estelle? Tout à fait. Mac Lesguy. Ah oui, pardon, il y a Alan qui l'a dit juste avant, mais bon, oui, okay, on va considérer que. Ok. Gwen Gwen Stefani, Stéphanie, non, non. pas Gwen Stéphanie. Non, 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 j'attends. Est-ce qu'on a des réponses pour le haut et pour le bas, puisque Mac Lesguy est au milieu? Je crois que tu bâillais. Non, Estelle, elle l'aurait vu. Lady Gaga pour Goethe, tout à fait. Bien Et donc on cherche la personne qui est en bas. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas taureau. Alors taureau spelling, c'est Tara Spelling du Nord. Taureau D'accord. spelling. Trop. Taureau spelling. Mais non, non, non. Non, non, pas c'est un chanteur. Non. Non, oui, c'est La Gaga. Pas. C'est ça, Vincent La Gaga. Bonjour, Émilie. C'est ça, Julie Lagaffe, c'est ça, c'était Lagaffe. C'était Donc bien Lagaffe, Lady ouais. Gaga, Mac Lesguy Matesgi et et Lagaffe. Lagaffe, hein, tout à fait. Alors, si ça vous dit, maintenant, on va peut-être passer au blind test. Est-ce qu'il y a assez de monde? 13 personnes, je pense que. Ah, merci Estelle, je sais qu'on peut compter sur toi. Alors, on va passer au blind test, en espérant que ça marche. Oh, tu l'as pas vu, toi. Non. Non, elle a pas vu le blind test. Oui, il n'y a pas de problème, Lolo, hein, correcteur ou pas correcteur, donc on a compris. Hein. Tant que c'est Vincent Lagaffe, pas de problème. Alors, pour ce blind test, alors prouesse technique, puisque la semaine dernière on avait Domi, et bien cette semaine on a MC Tony. MC Tony qui est un. Oh, c'est un rappeur, mais un rappeur un peu un rappeur écart. Bon, c'est un mec qui est un peu sur le déclin, Ça, mais. tu t'éclates avec Snapchat, Ah, en je sais pas fait. moi, c'est pas moi du tout, je sais pas pourquoi tu dis ça, j'ai quelqu'un que j'ai eu au Pour téléphone, nous. donc voilà, MC Tony, mais non, mais Lagaffe c'est pas un chanteur, alors Lagaffe oui, ça peut être un chanteur quand même, À la Zoubida, quoi, bah, et même. Bol Lavabo aussi, Ah oui. hein. Mais non, non, personne n'a dit que c'était un chanteur, Donc, quelqu'un a demandé, c'est un chanteur? j'ai dit Et non, c'est après, pas un quelqu'un a chanteur, répondu, oh, c'est la par gaffe. contre MC Tony est un chanteur. Et lui, c'est un Bah, on chanteur. va Enfin, c'est un peu un voir. slammer chanteur. Ouais. On va voir, on ne On connaît pas va encore. essayer. J'espère que je ne suis pas planté. On va voir si MC Tony est là. Est-ce que MC. Putain, attends. Attends, attends. Je fais comme ça. Hop. Excuse-moi, je ris déjà de ma connerie. Est-ce que MC Tony est là? Salut, 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 c'est MC Tony ici, MC Tony, tu Salut MC. connais, c'est celui qui met des vibes dans ton corps, ouais, Ah ouais, super, ouais, ouais. j'adore ton son. Je suis là pour vous balancer une petite découverte de chansons, tu vois, un Petit petit blind truc test. genre un peu un blind test, quoi, Ouais, tu c'est bien un vois, blind test. ouais. Je vous ai Je préparé pensais que quelques c'était un vrai chansons. mec, quoi. Mais c'est un vrai mec? C'est MC Tony? On peut commencer par la première chanson, s'il te plaît. Ah, On tu peut vois, il veut commencer commencer par par la là. première Je suis pas chanson. obligé d'imiter Joey Starr, je sais, mais je peux essayer quand même. Ah ouais. Quoi? Il y a un sentiment de malaise qui s'installe ici, là. Bah, hé. Hey. Bah, quoi? Bah, c'est MC Tony. Tu te fous la gueule, MC Tony, toi? Non, Ah, j'attends parce que. qu'il chante. Et il est là, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui glande là? Pardon, MC. Bah écoute, MC, peut-être tu pourrais nous faire la première chanson. Tu fais l'éthique de Charlotte, Quoi?
C'est pas moi. Pardon. Mais comment je peux être là et le mec, en il est fait, là. En fait, Chacha, c'est MC Tony. Mais c'est pas... C'est... Mais pourquoi? Mais je le connais pas, moi, ce mec-là. Ah oui, justement, il fait comme elle. Regarde, il nous attend en plus, là. Ensuite, voilà, allez. Ok. Tu nous fais la première chanson, peut-être, MC? Alors, on y va pour la première chanson. T'es prêt? Tiens, tiens, tiens-le bien. Affolé, affolant, il glisse comme un gant. Pas de limite, good laughter a bit. Reste allongé, je vais te rallumer. Ah, ah. C'est pas un gars, non? Tiens, 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 tiens-le bien. Ah, est-ce que vous pas t'y trouves cette chanson? Ouais, bah, je sais pas. C'est écoute, quoi chanson, ça? On va demander. Ouais. On va demander. Bah oui, il y a Gesh Pati, c'est pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas si c'est ça, mais. Gesh Pati. Gesh Pati, ouais, bah apparemment tout le monde a trouvé Gesh Pati. Je sais pas si. Ah, il a l'air vénère. Philippe en premier. Il a l'air vénère. Rita, non. Quel talent. Mais ouais, bah alors déjà, MC, je voulais juste te dire qu'on félicite ton talent. Apparemment, les gens apprécient beaucoup ton talent. Elle est Pati, oui, elle est Pati, oui. Si tu... Alors, Alan, moi, il n'y a pas de problème si tu veux. Je pense qu'Alan va être un invité d'honneur. Si on fait un as show en public, je pense que Alan, tu as ta place ici. À ma place, je pense plutôt, je me virais. Donc, MC, peut-être on va regarder si c'était la bonne. Et puis peut-être enchaîner sur une autre. Ouais. C'était quoi? Ouais, alors. Ouais, c'était Gesh Pati. Gesh Pati. Belle canon, Gesh Pati. Ah, j'aime bien Gesh Pati. Je vous en chante une autre si vous voulez. Ouais, je veux bien, ouais. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, ah, nous aimions le temps d'une chanson. Ah, il rappe pas trop quand même, hein. Non, c'est un slammer. Ouais. Ouais, c'est un slammer en fait, hein, donc ouais. Gainsbourg, c'est ça, ouais, Gainsbourg, Serge Gainsbourg, bon, j'avais trouvé aussi, donc ouais, moi aussi. C'est vrai que je pense que c'est ça, enfin on va peut-être demander la confirmation à MC, si MC Tony est toujours là, peut-être il pourra peut-être nous, oh il a pas l'air, peut-être le Ricard qui passe pas bien, mais... Ouais, c'est MC Tony toujours, MC Tony qui est toujours là, et c'était Serge Gainsbourg, la javanaise, ouais, t'aimes bien ça, hein. Ah, t'aimes bien mon con, ah, t'aimes bien ça, ouais, je suis sûr. Alors, je vais te chanter une autre chanson, comme ça. Une chanson que tu vas bien kiffer, mon gars, je te le dis. T'es prêt? Oh, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie. Oh, j'ai l'enfer. Ouais, j'ai un peu imitateur aussi. Reviens comme un espoir, quand dans tes mains je meurs chaque soir. Oh, oh yeah. T'as reconnu, je suis sûr que t'as reconnu. Mais si. Hein? Disons, le chêne s'envole le jour, mais s'il aime comme ma chaîne. Puis. Oh, il est vénère. Il est vénère, MC Tony. Ouais, bah ouais, les gens. Ouais, c'est ça. Et, Johnny. Ah bah oui, j'avais pas pensé, oui, effectivement, t'as raison. Mais c'est Johnny. T'avais pas pensé. Ouais, j'avais pas pensé. Bah j'avais pas pensé à Gabriel, oui, effectivement. Bah oui, Johnny Hallyday. Tout le monde a trouvé Johnny Hallyday. Ah bon ouais. Oh, étrange. Étrange. Parce que fais gaffe, parce que ça monte après. Ouais, exactement. MC Tony confirme ce que tu dis, mon gars. Il dit que c'était ça, ouais, bien entendu. Johnny, le seul, le vrai, le Johnny National. Ah, je vais te chanter une autre chanson. Ça va complètement changer. T'es prêt? Vous êtes tous prêts chez vous? C'est parti. Des premiers gaou n'est pas gaouo. Ah. C'est deuxième gaou qui est cacao. Ah. Des premiers gaou et. Hey. T'as honte ou quoi, mec? Fallait pas faire ça. Des premiers gaou n'est pas gaou. Ah, wangelwa. C'est deuxième gaou qui est cacao. Ah. Alors, c'est quoi, les gars? Alors, est-ce que les gens trouvaient. Ouais, Magic System, c'est pas mal ça, Magic System. Ici. T'avais trouvé aussi? C'est ça? Alors les gens, bah y a que Karina qui a trouvé Magic System. Bah bravo, écoute, c'est ça, je vais regarder si les,
Si les gens. Ah, apparemment Estelle n'a pas trouvé. Elle rigole, mais elle n'a pas trouvé. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé. Il est désolé, MC. Ah, il est pas content, regarde. Regarde, il fait la gueule, MC. Hein. MC Tony. Ouais. J'attends de voir s'il y a d'autres personnes ont trouvé. D'autres personnes que. Bon, s'il y en a déjà une, c'est déjà bien. Donc, Karina nous dit Magic System. Ok, bon, bah écoute. On reste là-dessus. Ça va mieux que The Voice. Ah bah oui, ça évidemment mieux que The Voice. MC Tony a fait The Voice, hein, je crois. MC Tony a fait The Voice. Il a fait. Ouais. Par contre, il a pas passé. Bah, il a pas passé la porte d'entrée. Il était videur. Mais. Ah, il pouvait. Bah oui, désolé Lolo. Mais pourquoi tu pouvais pas taper la réponse? Je sais pas, peut-être. Écoute, maman est près de toi. Ils vont lui dire maman. C'est quelqu'un pour toi. Ouais, c'est une chanson. Ah, moi, je chiale. Ouais, parce que je suis un cœur sensible. J'ai l'âme sensible. Aiguisée. Ah. Je sais pas si les gens ont trouvé. Ah, pardon. Alors. Claude François, bah oui, je sais pas, Claude, je sais pas qui est Claude, mais. Je sais pas, peut-être un pote de MC Tony, peut-être. Claude François, il y a pas mal de Claude François, ouais. Bon, ça a l'air d'être ça, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est Claude François, donc. Si tout le monde a dit que c'est Claude François, on va partir là-dessus. Claudie Faucan François, attends, c'est. Je sais pas. Dans les fromages ? Non, je sais pas. Non, je n'ai pas. Je chiale de rire. Bah oui, mais je suis désolé, Estelle. Hein. Je suis pas sûr. Regarde, il est pas. Oh putain, attends, il est pas content, MC Tony. Il va venir te casser la gueule, à mon avis. En plus, je crois qu'il connaît le Pas-de-Calais, hein, vu sa gueule. C'était. Oui, on propose Claude François, MC Tony. Ok, toujours là ? Ouais. Ouais. Claude François, on disait. Bien entendu, c'était Claude François. Ouais, Claude François, bien entendu. Parti au ciel, ah. Trop vite, petit ange. Ouais. Il nous manque, hein, Clo-Clo. Alors, je vais vous chanter une autre chanson parce que je sens que vous avez envie d'écouter un peu de chanson. Vous êtes prêts? Au sol des femmes, avec leurs gestes pleins de chien. Dites-moi où sont les femmes, 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 où sont les femmes? Ouais, on dit que j'ai un petit brin de voix, mais bon, moi je sais en faire des trucs si tu veux. MC Tony, il a plein de talents. Juvette, buvette, oui, effectivement. C'est quoi? Oh, pardon. Pardon. Non, peut-être ta gueule. Juvet, on dit Juvet, ouais. Tu penses que c'est ça oui, aussi, je peut-être pense que c'est Juvet. Ça. Truc Juvet, ok, bah écoute. On va peut-être demander à MC Tony de faire une petite dernière chanson pour. Je sais pas si vous avez envie d'avoir une petite dernière chanson d'MC Tony. Je sais pas si ça vous dit ou pas. Dites-moi. Ah, apparemment, on rigole d'MC Tony. Non. Bah si, je sais pas, Julien rigole. Pas possible. Bah, si vu sous la gueule du monde. Oui, il faut faire gaffe quand même, je pense. Ouais. Parce que. Puis il a une Twingo, le gars, donc je peux te dire que. Non, bon, bah écoute, on va voir la réponse, hein, puisque tout le monde dit Juvet. Petite dernière, on dit Patrick Juvet. Ouais, vous avez tous trouvé. Ouais, bah. Vous êtes balèzes, les gars. Patrick Juvet. Ouais, mais je sens que c'est parce que vous connaissez bien tous vos tubes disco. C'était bien sûr Patrick Juvet avec Où sont les femmes. Allez, une petite dernière, parce que je sens que ça vous fait plaisir. Un petit truc un peu plus récent. Il est temps d'aller bouger, on a des rêves à soulever. Allez. 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 Allez, relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va gagner. Allez. Putain. Allez. Quoi? Allez. Allez. Ah, voilà. Bah, je sais que vous aimez les chansons à texte. Je vous en ai préparé une petite comme ça. Pour vous faire plaisir sur un coin de table. Même si Tony, il rigole pas, il sait quand ça fait plaisir. Ah ouais. Donc les gens disent soprano, moi je connais pas. J'ai du mal aussi. Les gens disent soprano, apparemment. Oui, j'en ai un peu. Bon, bah, écoute. Ok. Bon, je m'arrête là. Donc, j'avais tous reconnu soprano. Non, pas tous. Bah, t'm'en fous. Rien à foutre, moi.
Moi, je suis là pour vous faire plaisir. Si vous avez kiffé la vibe avec votre mec ou pas avec votre mec, ça me fait plaisir. D'accord? Alors, vous allez tous me respecter ce putain de confinement. Vous allez rester chez vous. Vous allez arrêter de vous embrasser dans la rue et de vous rouler des galoches et de vous faire des saloperies là derrière les bagnoles. Parce que moi, je vous vois. Je m'énerve pas. Non, mais... Je préfère dire les choses avant qu'il se passe des choses. D'accord? Alors, ouais. MC Tony, il vous embrasse, mais à un mètre de distance. Je vous fais des bisous, des gros poudous. Je vous embrasse, et je vous embrasse encore, et je vous serre bien fort pour faire des câlins, mais à un mètre quand même. Je vous fais des bisous. C'est bizarre. Je vais manger ma danette maintenant. Bye. Bah, salut. 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 Ah, du coup, faut que je coupe. Ok. Bon, bah, merci à MC Tony. Bon, pas très rassuré. Parce que bon, il a l'air. Ça va, il reste de loin, apparemment. Ouais. On espère que, en tout cas, la danette sera bonne. En tout cas, on espère pour lui que sa danette sera bonne. Oui, c'est vrai que moi, il me fait un peu flipper. Hein. Je vais peut-être changer le numéro de téléphone. Je vais dire, parce que. T'as pas donné notre adresse, j'espère. Bah, on en parlera peut-être après parce que. Bon, je sais pas si on va se revoir la semaine prochaine. En tout cas, si on a des dents en moins, peut-être. Bon, tant pis. Alors, on va passer à bientôt la fin de l'émission. Ah non, je pense que c'est la canette. Hein. Je pense que c'est la canette. Il a dit la danette, mais je pense que c'est. Ou alors c'est une danette à la bière. Peut-être. Tu crois? Moi, je suis pas sûr. Tu crois qu'MC Tony mange des danettes? Ouais. Ouais, c'est peut-être un enfant. Vanille avec des pops dedans. Ah, peut-être. Donc, on va peut-être passer à quoi faire cette semaine. Ouais. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine, Marianne? Que faisons-nous cette semaine? La semaine dernière, tu nous avais proposé une activité qui était sympathique, qui consistait à travailler. Bah, en fait, il y en a qui sont obligés de le faire. Ah, d'accord. Ok. Moi. Donc, Philippe a arrêté de regarder l'émission. Lui, il est en train de balancer tout ce qu'il peut. Hein. D'accord. Donc, je pense qu'il est sorti pour aller devant une friterie pour savoir. Alors, moi, on a fait quand même... cette semaine, on... Enfin, tu as repéré sur Internet la possibilité donc, qui a été offerte par IKEA de pouvoir faire soi-même ces boulettes de viande IKEA. Donc là, vous voyez, alors peut-être d'abord cette image-là d'abord. Hein, IKEA a mis sur Facebook la recette des boulettes à la viande. Donc si vous voulez faire les boulettes à la viande, donc, vous allez... Il y en a chez bœuf et porc. Oui, et la sauce à la crème, il n'y a pas le. Il y a de la sauce soja. Il n'y a pas la confiture aux érelles, donc ouais. Ça ne marche pas. Mais par contre, vous pouvez aller sur le Facebook d'IKEA pour voir les boulettes maison. Si vous voulez manger salement. Ah, oui. Okay. À la place de la friterie qui n'est pas encore ouverte. Quoi. Exactement. Alors, comme toutes les semaines, je présente Groom. Hein, j'ai fait des images, donc voilà. Groom qui est donc deux saisons, la deuxième saison est en cours et la première saison est gratuite, donc faut y aller parce que c'est quand même rigolo. J'ai aussi mis en image le podcast ou les vidéos de Ken Kojandi qui fait quand même des émissions toutes les semaines avec les deux mecs qui sont tout le temps dans mon Instagram en pub et qui font des blagues à deux. Et je sais pas pourquoi je les ai tout le temps dans mon Instagram. Mais au moins, eux, ils chantent pas. Parce que moi, sur Instagram, j'ai toujours des gars qui chantent. Et ça me fait chier. Parce que je crois que tout le monde a compris que dans le confinement, ils se sont dit « bah, en fait, je suis chanteur. Je vais faire une chanson de merde. » Donc ça, voilà. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Et un jour, donc, Ken Kojandi a parlé de ce monsieur que tu avais bien aimé visuellement. Voilà, qui fait des blagues drôles sur Netflix aussi, si vous voulez aller voir. Bon, c'est en anglais, mais ça dure une heure, donc une heure de concentration avec les sous-titres. Voilà, donc c'est quand même un peu choquant. C'est choquant, mais c'est rigolo. C'est politiquement incorrect. Voilà. C'est comme, c'est comme le spectacle de Blanche Gardin que je n'avais pas vu jusqu'au bout et que finalement je me suis rendu compte qu'en fait elle parle de sodomie pendant 40 minutes à peu près.
C'est ça, ok. Sinon, bah, pour s'informer, toujours important, des choses... Pain Périne. Voilà, on peut se mettre sur BFM TV. Mais c'est que le week-end aussi. Ouais, demain matin, je serai là pour regarder. Voilà. C'est le seul jour où j'ai le droit de regarder BFM le matin. Voilà. Sinon, bah, sur Internet, si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous avez fait tout Facebook, vous avez fait tout YouTube, vous avez fait tous les liens envoyés par vos grands-parents et vos parents sur WhatsApp avec des blagues de merde, des proutes, des cacas, des regarde, l'autre, il pète dans son slip et tout. Vous pouvez aller sur Instagram. J'ai un compte, par exemple, assez sympa. Je ne sais pas qui c'est ce mec, mais sympa. Des super stories. Et génial, à regarder tout le temps. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous, lâchez des pouces. Non. Des likes, des. Franchement, top. Des cœurs. Ouais, des cœurs. Parce qu'il y a des super. Franchement, top. Franchement, génial. Et par contre, pas de code promo. Je suis désolé. Et sinon, moi, cette semaine, j'ai aussi proposé. Des choses. J'ai quand même réfléchi un petit peu hein, pour la rubrique. J'ai proposé éventuellement de faire la sieste. Ouais, il y en a qui ont du bol. Voilà, faire la sieste pour récupérer simplement. Hein. Récupérer de rien faire. Voilà, on peut récupérer, faire la sieste. Ou alors, peut-être, j'ai pensé à réparer ton placard. Voilà. Ça fait combien de semaines que je te le demande ? Ça fait longtemps, mais je me dis qu'une fois que le placard sera réparé, bah, peut-être donc, qu'on... Donc, c'est pas ce week-end que tu comptes le faire ? Peut-être. Ah. Peut-être. Mais en fait, bon, c'est vrai que... bon, c'est vrai qu'une fois qu'il sera fait, on pourra plus en parler, quoi. Donc, ça nous fait un sujet de conversation en moins. C'est sûr. Bon. Et sinon, il y aura toujours préparer le NAS Show numéro 7 avec le thème de la friterie. Ça veut dire que ça fait 7 semaines qu'on va être confiné. Bah, au minimum. Oh. Alors, on va aller voir les résultats, quand même. Donc, je suis désolé, je suis un peu obligé de regarder l'ordinateur. On a combien de participations ? 9, si c'est bien mis à jour. 9 votes. Oui, ça a l'air d'être ça. Ah oui, j'avais pas demandé obligatoirement de remplir le nom de la personne. Ok. Alors, est-ce qu'on a des... Ah oui, bah oui, oui, ok. Il y a quand même un... J'ai pas vu qui... Hein ? Ouais. Ah bah si, bien sûr. Ouais. Alors, si on regarde... On va essayer de faire le podium. Il y a une égalité avec 2 votes pour... Scraclet Johansson. Monster T est pas mal aussi, hein, quand même. Attends. Je suis assez d'accord. Hein. Ok. Scraclet Johansson avec 2 votes. Nous avons Emile Gorgonzola avec 2 votes également. Et nous avons Salakis Morissette avec 2 votes. Donc à égalité à la 3e place. Ensuite, tout seul 2e avec 3 votes. Monster T. Je sais plus, c'est Alan qui l'avait fait. Et grand vainqueur avec 5 votes quand même. Waouh, énormément de votes. Il y en a qui n'ont pas voté. Alan n'y a pas voté, il dit. Ah ben, mais il y a le lien. Moi, le lien, c'est le temps de l'émission. C'est Lolo qui gagne donc avec Catherine Feta-Jones et qui est quand même, je pense, quand même le meilleur. Catherine Feta-Jones. Bravo Lolo. On est d'accord. Tu gagnes des vignettes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le podium. Gagnes des vignettes au champ. Bravo. Oh, je sais pas. Là, je pense que vous êtes encore que sur que faire cette semaine. Voilà, je vais vous rebasculer sur le NAS Show 6. Voilà, écoutez, je pense que j'ai pas voté. Oui, de toute façon, je pense que Lolo est large devant. Donc, Lolo, félicitations pour ton. Comment on dit quand on gagne ? Pour ta victoire, c'est ça, c'était le mot que je cherchais. T'es là pour cette semaine ? Ça marche. On va préparer donc le NAS Show 7 dès ce soir, puisque je pense que j'ai déjà une cinquantaine de propositions de Philippe sur WhatsApp pour la friterie. Donc je vous rappelle, je ferai une petite annonce demain pour le mettre sur Facebook, mais je vois que certaines personnes passent à côté. Donc là, le thème, c'est la friterie. Je rappelle, les sauces, les repas, tout ce qui peut s'acheter à la friterie, toute l'ambiance de la friterie. Le sel. Le sel, si vous voulez. Le sel, ça peut marcher. Hein, le frigo ne marche pas, je préfère le dire quand même. Voilà, cette ambiance un petit peu... La caravane. La fourgonnette, j'irais plutôt fourgonnette. Ouais. Donc, on va comme je disais, on va se quitter là-dessus. D'accord. J'attends que tout le monde puisse nous faire des bisous.
passer une bonne... Comme c'est rouge, je pense que... Voilà. C'est jaune, c'est vert. Je pense qu'on est revenu. J'attends de voir si on est bien revenu. Voilà. Voilà, je pense que on est là. Attends, je regarde. Parce que... Hop, voilà, ok. Donc si tout le monde est là, on va pouvoir dire au revoir pour de bon. Parce que je pense que ça a coupé et que personne n'a entendu ce qu'on disait. Et d'ailleurs, on a eu le temps de se rhabiller. Ouais. Ouais. Voilà. Donc on va faire une sortie esthétique en espérant que ça ne coupe pas. Et on va vous dire au revoir. Et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à écrire des questions. On n'a pas eu cette semaine. Hein, donc voilà. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine. C'est bon, vas-y. Non, attends, je disparais. Je fais un fondu. C'est nul. Non, c'est pas nul. Si, c'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul du tout. Allez. Et bravo, Lolo. Bravo, Lolo. Allez, coupe. J'ai pas coupé encore. Allez.